J'ai choisi de peindre à partir des trois couleurs primaires. Alors, tout le monde sait exactement que dans le cercle chromatique, les trois couleurs de base, c'est le rouge, le jaune et le bleu. Donc, ce sont mes choix. Et au départ, je me donne une idée vague, hein, de ce que je vais réaliser, un peu abstraite. Voilà. Dans mon projet de triptyque, je démarre sur l'idée d'un geste plus ou moins rapide, hein, suivant les toiles, et je réalise des tâches. Alors, le fond, bien entendu, qui va se rajouter à la tâche, influencera bien sûr aussi le tableau, hein. La posture que j'utilise face à la toile est importante, hein, ce qui me permet d'avoir un impact vu du dessus, avoir une certaine force par rapport au geste, par rapport même à la vision globale de celui-ci. Alors bien sûr, au début, je ne sais pas ce qu'il adviendra de cette représentation du tableau, hein. Il va prendre forme, celui-ci, à travers toutes les étapes, hein, que ce soit les procédés techniques ou éventuellement aussi toutes les émotions qui peuvent en dégager, hein. Et le sujet prendra forme de cette manière, hein. C'est une peinture qui est toujours en mouvement. Elle est vivante, elle vibre. Les émotions prennent de l'importance aussi bien par rapport à la force que je veux dégager dans le travail des couleurs, le geste et aussi la narration, hein, ce que j'ai envie d'y raconter. Hein. Et je recherche à faire passer des sentiments. Hein. Les détails vont prendre bien entendu leur importance et à chaque élément se lie entre eux, hein, que ce soit comme je vous le disais la couleur, le geste et puis ce qui va être représenté. Bon, avec les couleurs, ben, l'œil du spectateur rentre dans mon univers, hein, et ça lui permet de parcourir la toile et aussi de travailler son imaginaire. Hein. Chacun n'aura pas forcément toujours le même aperçu, la même vision. Au-delà de la tâche, j'aime travailler la coulure. Hein. Cette coulure, on la retrouve dans beaucoup de mes sujets en peinture. Hein. J'aime jouer avec le déplacement. Quand j'effectue mes coulures, ensuite je déplace ma toile, je la soulève, je la penche sur les côtés. Et là, je vais pouvoir créer un petit peu ce phénomène de hasard. Hein. Alors, j'arrive à stopper. Je sais stopper là où il faut que la coulure s'arrête, oui ou non. Hein.
Et ce qui me permet d'investir un peu cet espace en jouant bien sûr avec tout en finesse les couleurs qui peuvent se superposer toutes seules et puis qui va me permettre aussi de donner des réponses auxquelles inattendues, hein, auxquelles je ne pensais pas. Donc, toute cette finesse sur les couleurs qui superposent, et ça, j'aime me l'approprier dans mon travail. Chaque détail me donne ce côté inattendu, et même dans les matières hein, qu'elles procurent sur la toile, hein, ce qui me donne une atmosphère à chacun des tableaux.